Bonjour les amis, voilà aujourd'hui me voilà sur la balade du sentier de la Jonction qui est pour moi l'un des endroits les plus beaux de Chamonix pour aller se balader au plus près des glaciers. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Voilà les amis, regardez ce spectacle incroyable. Il fait très beau en cette fin d'après-midi à Chamonix. Bon, aujourd'hui, je vais m'en arrêter là. Je vais vous faire découvrir le spectacle en direct de ce point de vue extraordinaire. Regardez-moi ça. Ouh! C'est par là. Je pense pas que j'aurai le temps à aller jusqu'en haut aujourd'hui car il faut que j'aille voir la petite famille. Magnifique. La jonction est vraiment une belle balade que je vous conseille de faire. On est vraiment près des glaciers. Là, vous avez le glacier des Bossons et en haut à gauche, l'aiguille du Midi. De jolies petites fleurs à 1800 mètres d'altitude. La vallée de Chamonix. Ça descend, et après il faudra remonter. Il y a quelques passages avec des mains courantes là, comme vous voyez. Voilà, hop, et des escaliers. Pas très dangereux. Glacier Tacona. Un bon sentier pour aller à la jonction. Le beau chalet du glacier des Bossons à 1400 mètres d'altitude où vous pouvez boire un bon petit coup. Les vestiges de Malabar Princesse écrasés sur le Mont Blanc en 1950. Malabar Princesse, un film qui a été tourné aussi avec Jacques Villeret. Crash au Mont Blanc. Et voici aussi un vieux bobsleigh. La malédiction d'Air India. Thank you.